How deep is your love? Petit disclaimer, ceci n'est pas un tuto. Vous savez très bien, de toute façon, je fais pas de tuto sur ma chaîne. Mais bref, là, je tourne cette vidéo en me disant, ça va être une catastrophe. J'ai jamais testé ça. Je sais même pas comment on fait. Enfin, j'ai regardé des tutos sur, bien sûr, j'ai regardé des tutos sur YouTube. Mais je ne sais pas. Je n'ai jamais fait ça, faire des. J'ai déjà fait des tresses. Attention, on m'a déjà tressé les cheveux. J'ai déjà fait des tresses collées moi-même, mais sur des cheveux plus longs. Mais là, avec des mèches en plus, je ne sais pas. Donc, vraiment, pas de haters dans les commentaires, s'il vous plaît, parce que je ne sais pas ce que je fais. Voilà, je vous l'avoue, je ne sais pas. Donc j'ai acheté ceci sur AliExpress, bien évidemment. Si vous me suivez sur Instagram, vous savez, je suis accro. Je suis accro à AliExpress. Ça se présente comme ça, c'est une tresse. Voilà. Je pourrais l'attacher directement comme ça et on n'en parle plus. Mais bien sûr, ça serait jouer la facilité. Il faut savoir, cette vidéo, ça va pas être genre je vais beaucoup vous parler. Enfin, peut-être pas, parce que je suis vraiment dans l'expérimentation, et dans ces cas-là, je suis stressée. Déjà, je suis stressée de vous montrer ma tête comme ça. Là, c'est une coupe, on dirait Rogue, vous voyez? Dans Harry Potter, c'est la même vibes. Bref, peut-être même qu'à un moment, je vais couper la caméra, je vais terminer ça dans ma salle de bain parce que je serai plus à l'aise. Bon, bref, je vous montrerai de toute façon le résultat final, ou peut-être que cette vidéo ne verra jamais le jour. J'ai pris des faux cheveux, hein, bien sûr, en synthétique, noir. Il faut que je prenne des petites mèches, que je les brosse. Alors, apparemment, il y a une technique aussi pour les. En fait, c'est pour que les mèches d'en bas, là, elles. Je sais pas si on voit bien en vrai. Pour que les mèches en bas, là, elles soient pas toutes nettes, vous voyez. Et qu'après, elles sont censées tenir toutes seules. J'ai pas besoin de mettre d'élastique. Mais je sais pas. Je sais pas si je vais faire comme ça ou si je prends mèche par mèche. Je ne sais pas, je suis complètement novice dans l'affaire. Je sais même pas, je pense que j'en ai même pas assez. Je sais pas, je sais pas. Voilà, la vidéo elle va s'appeler Je ne sais pas. Je ne sais pas ce que je fais. Là, je vais juste en coiffer une. J'ai pris une brosse douce là, comme ça, non? Qui m'a envoyé? Qui m'a envoyé? Je sais rien. Je vais la mettre de côté. Mais il faut que je fasse mes sections d'abord. J'ai donc un peigne, une brosse, tout ça j'ai acheté sur AliExpress aussi parce que j'avais. Enfin, ma brosse elle me fatiguait. Là j'enlève mes lunettes. Maintenant vous dire que je suis pas prête de voir grand-chose sans lunettes. Mais qui vraiment, qui m'a envoyé? Si je regarde un peu en bas, c'est parce que j'ai mon miroir qui est là. Oh, mais je vois rien du tout, hein. C'est catastrophique, hein. On va attacher le reste. Alors désolé si la lumière elle a changé, mais je voyais rien juste avec la ring light. Donc ensuite j'ai pris du gel d'aloe vera. Je l'achète à Action, je crois que ça coûte 3 euros, un truc comme ça, le pot. Pour essayer de délimiter quelque chose, hein. Comme je vous ai dit, ceci n'est pas un tuto. Ça n'a aucun sens. Et franchement, les gens qui se coiffent là tout le temps, je sais pas comment vous faites. Là, je suis partie pour des heures. Non, vraiment, c'est sans moi. Il y a pas à être comme ça en fait. J'ai acheté des, j'avais, il me restait des élastiques, mais ils sont transparents et pas très résistants. Je ne sais pas si je dois commencer avec des élastiques ou pas. J'ai vu dans les tutos, la plupart du temps, les personnes elles font sans. Mais ça, c'est pas un cheveu à moi. Et moi, je sais pas commencer. En fait, c'est ça mon problème. Je sais pas faire des toutes petites mèches là, au départ. Écoutez, on va tester comme ça, je sais pas. Je vais mettre un peu sur la mèche. J'ai vu que normalement, c'était de l'huile qu'il fallait mettre, mais de l'huile végétale. Mais moi, j'ai que de l'huile d'olive dont l'odeur va vite me saouler. Parce que je suis pas une vinaigrette en fait. Et de l'huile de ricin, et c'est pareil, l'odeur elle m'écœure vite, enfin, c'est un truc que je rince habituellement, donc on va y aller avec le gel d'aloe vera.
On fait déjà pas ce qu'ils disent dans les tutos, hein. Et puis en plus, j'ai fait mes ongles hier. Mais vraiment, quelle idée là même. Je ne sais pas. Je ne sais pas ce que je fais, hein. Je vous le dis. Je sais pas. Je sais pas. Je sais pas comment. J'avais vu un truc. Prenez ça. Est-ce que c'est pas mieux que je mette un élastique pour commencer? J'ai vu une fille elle tournait autour de sa mèche. Mais moi avec les ongles j'arrive à rien, je sais pas. De toute façon j'arrive à rien du tout. Le truc est... Il curse. Ça n'a aucun sens, ça n'a aucun sens. En fait je pense que c'est le démarrage qui va être compliqué. Après je sais faire des tresses, mais ça fait longtemps. En plus j'ai pas tressé des cheveux longs, tout ça. Je vais perdre mes cheveux dans l'affaire, hein, sachez-le. Mais bon. On va serrer ça là. Après je vais me plaindre. Hop. Ensuite, on serre. Est-ce que ça pourrait le faire? Vous avez un super plan là, je suppose. Parce que en plus j'ai plus de retour caméra, donc. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Je sais faire des tresses, je sais pas pourquoi là je panique en fait. Non mais c'est laid. Je suis en train de me dire, est-ce que je tenterais pas autre chose que des tresses collées? Parce que j'ai vu autre chose qui me plaisait. Mais. Parce que les tresses collées, déjà, quand moi-même je les fais sur cheveux longs, je prends du temps, c'est pas clean, et après je me dis fuck, ça ira, tu vois. Mais peut-être je vais faire autre chose. Je vais essayer autre chose. De toute façon, là, on est sur du test. Peut-être cette vidéo, je vais jamais la poster. Là, c'est pas normal, là. Pourquoi? J'ai pas touché, ça s'est emmêlé. Ça me rend folle. De toute façon, je suis novice là-dedans. Il va y avoir des cheveux absolument partout. Après, je vais râler. Bon. On va se détendre un peu. Qui m'a envoyé? Il me faudrait des crochets. J'ai ça, là. Sous mon bureau, il y a une manivelle. Pour faire monter et descendre le bureau que je n'ai jamais utilisé parce que je pensais faire des vidéos debout. Jamais. Donc là je les ai posées là. De base il y avait une coiffure que j'aimais bien, c'est juste 4 grosses tresses. Et 4 tresses comme ça, mais je sais pas si j'ai assez de longueur là. Ça va pas faire des trucs bizarres. Voilà, qui a cette coupe? On dirait. J'ai une meuf d'animé, vous savez, mais sauf qu'elles ont des longs cheveux et derrière et devant c'est court comme ça. Sachant que je n'ai pas coupé mes cheveux depuis que je me suis rasé la tête. Après j'avais rasé un peu. Oh, ça va faire un an quoi en gros. Et ça a repoussé comme ça, comme si j'avais juste un peu égalisé, mais ça vraiment on voit pas. Ce qu'il y a entre mes ongles. Mon eyeliner qui part en coup. Bref. Anime girl. Ça a l'air d'être pas mal. Hein. Pourquoi j'ai pas laissé le pot d'aloe vera ouvert? Parce qu'il y a des cheveux partout. Je veux que ce soit bien serré. Parce que j'ai pas envie que ça se part. Ils sont trop bien ces élastiques. Je suis ravie de les avoir achetés. Parce que les autres, j'aurais déjà explosé. En plus, je sais pas vous, mais moi ça me... Ah, quand il y en a un qui pète, ça... effet lifting garanti. Par contre, c'est pas symétrique. Bon, hein, de toute façon, on a dit on part sur un fail. J'ai vu aussi avec, on peut faire avec des élastiques comme ça là. Mais je sais pas ce que ça vaut sur mes cheveux. En fait, j'ai vu plusieurs techniques pour les bouts. À la fin, bon, moi, je pense qu'on va partir sur des élastiques si ça tient pas tout seul. Mais j'ai vu aussi, il y en a, ils brûlent les bouts et après ils coupent, mais ça fait pas l'effet recherché. Enfin, ça fait. Oh, j'allais dire, ça fait pas naturel. C'est pas ce que je veux dire parce qu'au final, ça c'est pas naturel vu que c'est des cheveux synthétiques. Mais bref, c'est. Et j'ai vu que c'était vachement critiqué comme technique de brûler les bouts, donc. On va s'abstenir.
Voilà. Oh, je me fatigue. Mais ça aurait été bien si. Hop, j'étais dessus. Oh, ça tient pas. J'ai essayé l'autre technique où on passe dans la mèche dedans. L'autre mèche. J'ai bien dit, ceci n'est pas un tuto, donc si vous ne comprenez pas, c'est pas grave. Ça n'a aucun sens. Personne paierait pour ça, on est d'accord. Plus, mes tresses, moi, elles n'ont jamais ressemblé à rien. Genre, je sais pas, les gens, ils arrivent à faire des trucs nickel, mais. Et je la finis. Et on va dire que c'est un fail, hein, je pense. Je vais pas me prendre la tête. Pourtant, hein, je vous jure, c'est mon rêve de savoir faire des coiffures élaborées. Tout ça, mais. J'ai pas la patience et je pense que j'ai pas la minutie non plus. Le pire, c'est que je sais que ça m'irait bien si c'était bien fait. C'était un essai qui ne se réitérera pas, je pense. Bref, mes cheveux là, qui ressortent, mes vrais cheveux, ça n'a aucun sens non plus. Je ne sais pas. Je ne sais pas comment font les gens. Bref, je vais enlever ça. On va tester autre chose tant que je suis là, que je suis encore à peu près déter. Faire une ponytail simple. Vidéo, c'est n'importe quoi. Est-ce que vous appréciez de passer un moment en ma compagnie pendant que je râle? Si vous aimez, lâchez des pouces. Lâchez des pouces bleus. Bienvenue sur ma chaîne si vous la découvrez. Oh là là, je vous jure. Non, mais de base, je fais de l'humour, moi. Moi, je suis là pour vous divertir, de base, pas pour qu'on. Pas pour passer des mauvais moments avec les gens. Bon, on va faire avec les ongles, hein, parce que ça veut pas. À savoir pourquoi je fais deux. Aïe. Deux ponytails. Parce que ça soulage un peu la lourdeur des cheveux. C'est une petite astuce déjà que j'avais déjà vue il y a longtemps sur Internet. Et que j'ai revue il y a pas longtemps sur TikTok. Et je me dis, c'est vrai, quand t'as les cheveux longs, faire deux ponytails. Au lieu d'une, ça soulage. Parce que les cheveux, c'est lourd, surtout quand c'est attaché. Je vais faire un chignon. Ce sera plus simple. On était parti pour faire des tresses. Rappelons-le. Bien sûr, ça ne tient pas. Ça ne tient pas. Je ne tiens pas. Bon, je vais rajouter des barrettes, ça c'est pas. Oh, vous imaginez, je vais dormir. Ça va jamais tenir, ça va être n'importe quoi. Et je me dis aussi, peut-être là, je suis en train de tourner. Enfin, je crois que ça filme. Et ça filme pas. Imagine même seulement. De base, je m'étais dit, ça serait bien, je fais un petit chat pimp my hair, vous voyez. Mais j'ai pas envie de parler là, vous voyez. Énervée, ça n'a aucun sens. Pourquoi cette mèche elle est immense comme ça? Que me veux-tu? Putain, j'avais. Là j'ai tout séparé bien. Et non, il faut encore que ça me casse la tête. Qui m'a envoyé? Qui m'a envoyé? Il faut savoir que je demande pas de. Comment dire? De conseils sur cette vidéo. C'est pas. C'est pas le but en soi, si je dois chercher, je vais chercher. Là, c'est juste, je vous fais partager le truc parce que ça me fait rire aussi, que vous me voyez fail. Mais on n'est pas sur... Vous n'êtes pas la même mèche, mesdames. mais on n'est pas du tout sur une recherche de conseils hein, particuliers. Plutôt donner des adresses où je peux me faire coiffer à Angers pour une somme raisonnable hein,
parce que 300 euros, on sait que c'est pas le prix. Voilà. Même si quelqu'un veut s'essayer, débutant, tout ça, ça m'intéresse aussi. Voilà. Mais sinon, voilà, je suis pas spécialement sur une recherche de conseils. Ça s'en mêle tout le temps, alors que j'ai tout séparé. Je suis fatiguée. Je suis fatiguée de cette vidéo. Ça s'accroche même dans mes ongles, au départ. Capsule, elle doit être mal faite aussi. Allez, tout est mal fait. C'est bon. Vous voyez la chiro de la haine, la chiro de la mauvaise foi. Et vivement les cheveux longs, je vous le dis, encore 2 ans. 2 ans de pouce. Ah, je sais même pas si vous me voyez encore, mais j'ai mal au bras. Non, c'est moche. Hein. Je me rends compte que je sais même pas faire les tresses en fait. J'en ai pas fait depuis tellement longtemps. Et comment j'ai pu... Je sais pas. Mais dire que je vais devoir regarder tous ces rushs là, pour vous dire, c'est un fail. Et bon, c'est la fin, c'est n'importe quoi. J'arrive à la fin. Je pense que vous ne voyez pas. Et par contre, je ne sais pas terminer, moi. Donc, on va mettre un élastique. Tiens. J'ai pas envie de lâcher. Et tout... tout se détresse. Mais c'est moche, hein. Oh oui, c'est moche. On va pas... Ne mentons pas. Ne mentons pas. C'est pas joli. Repassons à une lumière peu plus flatteuse. J'ai pas les mots. Je n'ai pas les mots. Ça ne tient pas. Il y a des cheveux absolument partout. Bon, je suis pas dire que je suis ravie, hein, parce que voilà, je suis contente d'avoir essayé. Oui, j'avais acheté. Comment ça sent bon. J'en ai peut-être pris trop. Ça crépite. Ah, je m'en suis mis partout, c'est dégueu. Peut-être c'était du truc tôt. Bah, mes cheveux, ils se sont même pas mis dedans. Donc, en vrai, hein, ça va partir en chignon. Tac. Tac. Voilà, on va finir la vidéo comme ça. En conclusion, je suis nulle, mais c'est ok, c'est la première fois. En vrai, le rendu... Là, de celle-ci, et pas horrible, mais voilà, ça c'est mes cheveux naturels, donc ils sont pas dedans, parce que je sais pas serrer, parce que je sais pas débuter les tresses correctement, donc voilà, je suis pas mécontente d'avoir essayé, parce que ça fait longtemps que je sais, puis c'était un engagement pas énorme, il me fallait des élastiques comme ça, bon, la mousse, j'ai bien fait de prendre le petit format, parce que ça, c'est un truc dont je me sers jamais, mais, oh, ça sent, mais... Ça sent extrêmement bon, super rude, bien joué. Vraiment, ça sent super bon. Donc ça m'a pas coûté hyper cher parce que les mèches, je sais plus combien c'était, mais de l'ordre de 5 euros maximum. Je crois que j'ai payé 3 euros. Je crois que j'ai payé 3 euros, quelque chose comme ça. De toute façon, bref, je vous aurais mis ça là. Bien sûr, je le redis, mais dans les commentaires, je veux pas de conseils, je veux pas non plus de hate. C'est juste, j'ai voulu tester, j'ai essayé. Je ne pense pas qu'on m'y reprendra. N'hésitez pas quand même à me dire ce que vous avez pensé de la vidéo. Je sais qu'il y en a quand même qui me donneront des conseils et why not? J'attends pas non plus des ouais, t'as quand même essayé. Juste le type de format, ça vous fait plaisir de me voir fail et voilà. Surtout si vous n'êtes pas abonné. Alors je sais que cette vidéo va dire non, mais allez voir les autres et abonnez-vous. Faites un pari sur l'avenir. Et sur le passé aussi, parce que j'ai des vidéos que j'ai faites qui sont trop bien, même des Pimp My Hair où je change mes cheveux du tout au tout, meilleur Pimp My Hair, vraiment. Mais bref, abonnez-vous, et sur ce, je vous dis à la prochaine.